Au plus profond des mers vivait un poisson. Mais ce n'était pas un poisson ordinaire. C'était le plus beau poisson de tous les océans. Les autres poissons admiraient ses écailles scintillantes. Et à cause de ses belles couleurs, ils l'avaient nommé Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, viens jouer avec nous, disait-il. Mais le bel Arc-en-ciel glissait près d'eux, sans dire un mot, le regard fier, en prenant soin de faire briller ses écailles. Un petit poisson bleu le suivit. Hé, Arc-en-ciel, attends-moi, donne-moi une de tes belles écailles, elles sont si belles. Alors, Madame l'ambassadrice, vous avez lu pour les enfants deux histoires. Alors, dites-nous, comment ça a été l'exercice? Ça a été facile? Ah, mais moi, j'adore ça. J'étais déjà venue l'année dernière. Et donc, je venais juste d'arriver et j'ai trouvé ça tellement mignon et sympathique que cette année, j'ai dit, je veux retourner. Voilà. Et vous avez vu, non seulement ils sont attentifs, mais vous avez vu comme ils lisent bien le français. Ouais. Remarquable, hein. Mais à quoi servent les plus belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer? À présent, Arc-en-ciel n'était plus seulement le plus beau poisson des océans, c'était aussi le plus seul. Un jour, il fit part de ses soucis à l'étoile de mer. Sur l'événement, et quel regard portez-vous sur la littérature haïtienne aujourd'hui en 2016 et aussi sur l'événement Livre en folie? Alors je vais d'abord répondre sur l'événement. Moi je trouve que c'est une respiration, c'est une bouffée d'air pur, si vous voulez, dans un contexte morose, avec plein d'incertitudes, etc. Là, d'un seul coup, on voit que c'est rempli de gens, des jeunes, des moins jeunes, il y a des livres partout. Ah, et je crois que c'est de l'oxygène. Eh bien, de l'oxygène, bien sûr, parce que la littérature, c'est quand même un des plus beaux moyens d'expression haïtien. C'est avec ça que vous rayonnez de par le monde, dans mon pays notamment, mais dans le monde francophone et au-delà. C'est si beau, lui dit-il. Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? L'étoile de mer se tue un instant. Elle dit, derrière le récif de corail, il y a une grotte. C'est là qu'habite Octopus, la pieuvre. Elle sait beaucoup de choses. Peut-être pourra-t-elle te donner un conseil. Qui toujours des conseils, donc pieuvre, ça capable lui-même dire qui ça le café pour ta retourner les amis. Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte. Comme il y faisait sombre, on n'y voyait presque rien. Soudain, il vit briller deux yeux dans l'obscurité. Trois bras s'avancèrent vers lui, la pieuvre. Faites année ça encore, et Fondation Touya a décidé de répondre présent dans le livre en folie. Nous prenons goût? Mais bien sûr, nous prenons goût parce que voilà, ça fait troisième année que nous là avec le nouveliste et l'autre organisateur pour nous participer dans le livre en folie. Côté nous là, comme nous avons le parent qui vient à Timoun souvent, il n'y a pas un côté pour nous mener. Bon, ça fait trois ans que le vient à Timoun, il y a mené là avec nous. Des délégations de l'école viennent, il vient à Timoun, nous faisons lecture avec nous, nous jouons. Bien sûr que nous prenons goût parce que nous pensons que nous méritons ça pour nous amuser nous un peu, pour nous lire ensemble à Timoun. Tout à fait. D'une voix grave. Les vagues m'ont rapporté ton histoire. Écoute bien mon conseil. Offre à chaque poisson qui te le demandera une de tes plus belles écailles. Tu ne seras peut-être plus le plus beau des poissons, mais tu seras un poisson heureux. Et puis, cinq amis. 2